Chère étudiante, étudiant, bonjour. Masha'Allah, regardez voilà la structure de l'appareil de Golgi. D'accord? Donc, l'appareil de Golgi est constitué de un ou plusieurs dictyosomes. Chaque dictyosome est constitué de plusieurs sacules reliées par des ponts membranaires. Donc, le jihad Golgi est un ou plusieurs dictyosomes. Ou que la dictyosome fait plusieurs sacules, donc celui qui sera l'élastinguinatome, par des ponts membranaires. Le dictyosome est polarisé. Il comporte une face de formation et une face de sécrétion. D'accord? Donc, le dictyosome rada fait juste dire les faces. On a la face de formation, il y a face 6, ou la face de sécrétion, il y a face 30. Ou un chiffre pour la face, la face de formation est toujours à proximité du réticulum endoplasmique lisse. Alors, je continue à la phase de formation, donc les vésicules qui jument les réticulum endoplasmique lisse. D'accord? Donc, il y a une phase de formation, à la phase 6. Des vésicules se détachent du réticulum et fusionnent pour former une nouvelle sacule. Voilà, donc les vésicules, les qui jument le réticulum endoplasmique, ils se fusionnent, il y en a qui clairement à la membrane de l'appareil de Golgi, mais on a une nouvelle sacule. Sur l'autre face, c'est-à-dire face de maturation ou la face trans, les vésicules de condensation se détachent et se dispersent dans le cytoplasme avant de fusionner avec la membrane cible. Donc, dans la phase formation, maintenant, les vésicules qui jument le réticulum endoplasmique ou qui se trouvent à la membrane via l'appareil de Golgi, on a une nouvelle sacule. L'autre face, il y a phase de maturation d'expédition ou la phase trans, les vésicules qui sont condensées, qui sont à l'appareil de Golgi, ou qui sont dans le cytoplasme, pour se fusionner à la membrane cible. Une membrane, par l'exocytose, par exemple, il se fusionne avec la membrane plasmique, ou les lysosomes, ou d'autres membranes cibles. D'accord? Voilà. Donc, le dictyosome, ça c'est l'appareil de Golgi. On a la phase de maturation, il y a la phase 6. On a la phase de sécrétion, d'expédition, il y a la phase trans. D'accord, les qui nous fait des vésicules de sécrétion. Ça c'est la lumière des sacules. Là où la lycitherne, on a libre tout les vésicules qui jouent le réticulum endoplasmique lisse, d'accord, ils se fusionnent, le chat on a des nouvelles sacules. Et c'est normal parce que il a juste des vésicules qui trient dans l'appareil de Golgi. Ou ma qui t'aouche le renouvellement d'yalmond, à un certain moment, ma ralkaouche l'appareil de Golgi, ralkaouche ça là. D'accord? Le dictyosome subit donc un renouvellement constant. Une nouvelle sacule se forme toutes les 4 minutes dans une cellule en activité. C'est normal le renouvellement qui est glycon parce que il a juste l'appareil de Golgi qui conféré donner des vésicules de sécrétion. À un certain moment, on rentrera dans l'appareil de Golgi. C'est à l'intérieur des sacules que les protéines terminent leur maturation. On a le début de la maturation des protéines qui se trouve dans le réticulum endoplasmique, surtout quand on a la glycosylation et tout. Voilà qu'une flèche sacule de l'appareil de Golgi, nothing que ce a la maturation de les protéines. Et même, pardon, de les lipides. Hein? Même la maturation des lipides, je vous chauffe, Inch'Allah, fait vidéo, imagine. On a même la maturation des lipides qui se trouve dans l'appareil de Golgi. Donc, la polarisation du Golgi concerne la forme et la composition des sacules, l'association des sacules avec d'autres constituants cellulaires, ainsi que la nature chimique des membranes des citernes. Donc, à de la polarisation du Golgi, le dictyosome est polaire, d'accord? Il est polarisé. Donc, la polarisation du Golgi, qu'est-ce que la forme ou la composition des sacules, même l'association des sacules à d'autres constituants cellulaires, كذلك في الطبيعة الكيميائية ديال لا مومبران دي سيتيرن. Voilà. Donc la première partie, la structure de l'appareil de Golgi comme on a, j'espère انها تكون فهمها مشروحة مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو الفيديو
باش يوصلوا اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.